Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment démonter un siège sur Peugeot 308. Vous allez voir que c'est simple, il n'y a rien de compliqué. En fait vous avez un boulon de chaque côté, gauche et droite, ok, et vous avez un boulon de chaque côté à l'arrière. Donc je vais démonter et après il faudra en fait déclipser les fils sur le dessous et après juste enlever le siège. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Alors pour démonter le siège, vous faudra en fait une clé de Torx de 40. Voilà, vous dévissez. Voilà, donc c'est des grosses vis comme ça, taille 40. Donc je vais passer à celle-ci. Donc vous faites pareil pour les 4, ok. Là, on va passer à l'arrière. Voilà, une fois que vous avez dévissé les 4 vis, vous voyez, le siège il part tout seul. Alors, une fois que vous avez dévissé les 4 vis du siège, ça se présente comme ça. Vous avez juste vous la débrancher et après, en fait, voilà, une fois que vous avez remis la prise, vous avez juste à remettre les boulons. On va remettre les boulons, on va aligner le siège et ça sera fini. Voilà, donc là, vas-y, on va aligner le siège. Donc là, il y a des trous. C'est bien, voilà. Enlever le tapis, on mettra après. Là, t'es bon là ? Ouais. Voilà, donc vous voyez, vous alignez bien le siège, vous remettez les boulons. Pareil de l'autre côté, donc on place les deux vis. Voilà, bon là je les fais à la main juste pour vous montrer, après vous les revissez. Mais voilà, celle là c'est une 2015. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.